Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de glorifier ton nom, Seigneur, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons célébrer la grandeur de ton Saint-Nom. Nous voulons te bénir et te louer, tendre Père. Te célébrer, te glorifier, te magnifier, te bénir et te rendre toute la gloire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, maman Marika. Bonsoir, maman Mado. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, glorifié, magnifié, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci d'étendre ta main de faveur, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te glorifions. Bonsoir, bonsoir, maman Alpha, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ton plan merveilleux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Merci puissant de Jacob, toi qui vis et qui règne à jamais, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de victoire. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Nous savons, Seigneur, je sais que, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Je sais ce que les gens disent de moi. Alléluia. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation. Mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile. Mais ta parole m'appelle féconde. Ensemble, ma Janine, ensemble, ma Espérance. Ensemble, ma Blandine. Alléluia. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais. Alléluia. Qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu qui console et qui justifie. Alléluia. Oh, oui, je sais qu'il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui défend toutes mes causes, Seigneur. Je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux. C'est ce Dieu puissant que nous invoquons ce soir, qui contrôle toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Maître du ciel et de la terre. Bénissons ton Saint-Nom. Oh, merci, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Alléluia. Je sais ce que le diable merci, dit Seigneur. Sur ma santé. Je sais ce que le diable dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace
nos familles respectives. Mais la parole dit clairement, Jésus est notre refuge. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Oh, Seigneur. Nous nous confions en lui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a un Dieu dans les cieux, n'est-ce pas? Qui console et qui justifie. Il y a un Dieu tout puissant. C'est lui sur qui nous nous appuyons ce soir. Un Dieu puissant. Alléluia. Il défend mes causes. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Et Seigneur, je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance, Seigneur. Tu n'échoues jamais. Tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Alléluia. Il ne faut jamais venir dans le Seigneur. Faisons confiance au Seigneur encore ce soir. Les dieux qui ne chouent jamais. Les dieux qui ne mangent jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous te bénissons et nous te glorifions dans les dieux tout-puissants. Te faisons confiance, Seigneur. Tu n'échoues jamais. Alléluia. Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu ne mens jamais. Tu es fidèle. Tu accomplis tes promesses. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur qui n'abandonne jamais. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui ne mange jamais. Merci Seigneur notre Dieu. Tu ne manges jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es fidèle. Nous pouvons encore ce soir te faire pleinement confiance, Seigneur. Parce que tu n'échoues jamais. Nous pouvons encore ce soir te faire pleinement confiance. Parce que tu n'as jamais menti. Tu es un Dieu vrai et véritable. Maître du ciel et de la terre. Tout l'on célébrait la grandeur de ton Seigneur. Tout l'on te bénit et te glorifie, éternel Dieu tout-puissant. Tu n'échoues jamais. Tu es fidèle, maître du ciel et de la terre. Nous te faisons pleinement confiance au grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Tu n'échoues jamais, ô maître du ciel et de la terre. Tu es toujours celui qui triomphe. Merci encore ce soir de triompher de nos ennemis. Merci, grand roi de l'univers. Nous voulons célébrer ta victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci de venir ce moment, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons invoquer le roi de gloire, celui qui est assis sur le trône éternel, celui qui est assis sur le trône de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, n'est-ce pas? Alléluia, ce soir, nous nous confions en toi, Seigneur. Ah, lave et purifie nos cœurs. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos vies, Seigneur, ce soir. Purifie, sanctifie. Nous allons invoquer le pouvoir purificateur du Saint-Esprit. Nous allons profiter de cette occasion. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons. Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste ta gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur.
Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos yeux sont fixés sur toi comme nous comptons sur toi. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Oh notre Seigneur et notre Dieu, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi le roi éternel. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, grand roi de l'univers. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la guerre. La guerre à tous nos ennemis. Faire la guerre à tous tes ennemis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, tu vas t'élever contre tous tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, regardez ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la vie de Samuel. De Saül plutôt, bien dans le Seigneur. Alléluia. Regardez bien. 1 Samuel 14, verset 47. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Amon, à Edom, au roi de Tchola, et aux Philistins. Alléluia. Et aux Philistins. Et partout où il s'est tourné, il était vainqueur. Alléluia. Partout où il s'est tourné, il était vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Partout où il s'est tourné, il était vainqueur. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Partout où il s'est tourné, il était vainqueur. Il a fait la guerre à tous ses ennemis et partout où, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est tourné. Partout où, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait les regards, n'est-ce pas, bien-aimé? Il était vainqueur. Ah là là, ça c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur, de voir comment quelqu'un peut livrer la guerre à tous ses ennemis et d'avoir la victoire sur tous ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, des ennemis. L'ennemi, c'est le diable. Le diable et tout son système, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi, c'est Satan, le diable, et tous ceux qui sont à son service. Les démons, y compris, bien aimé, les hommes qui ont délibérément choisi de servir Satan le diable. Et aussi, bien sûr, d'autres hommes inconscients, mais qui sont utilisés comme nos ennemis. C'est là où, bien aimé, nous devons être très prudents. Il y a des gens, bien aimé, qui sont utilisés comme nos ennemis, qui se comportent en ennemis. Prenons pleinement conscience. Et lorsque nous nous levons pour prier, bien dans le Seigneur, faisons attention. Donc, on voit bien dans le Seigneur, dans ce texte, on décrit clairement, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, nous voyons la manière dont le roi Saül était. Ouais, n'est-ce pas? On dit, il manifesta sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui les pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua, ses deux fils s'appelaient l'aîné Merab et la plus jeune Mical. Le nom de la femme de Saül était Ashnoam. Alléluia. Fille d'Ashimath, le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre le Philistin. Dès que Saül apercevait quelques hommes forts et vaillants, il les prenait à son service. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment on décrit véritablement Saül, on décrit sa vie, on décrit sa famille, on décrit sa royauté, bien-aimés dans le Seigneur. Sa royauté. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? On décrit sa royauté. On décrit, bien-aimés dans le Seigneur, comment il était. Voilà pourquoi il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions nous rendre compte chaque position d'autorité qu'on peut avoir dans la vie, bien-aimée, fait, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous expose à des ennemis. Chaque fois que tu auras une position d'autorité, bien-aimés dans le Seigneur, sache que tu auras affaire aux ennemis. Et surtout que le roi Saül, c'était le roi, bien-aimé, qui a été donné selon
la volonté humaine. La volonté humaine, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que nous réalisons combien il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de rechercher, n'est-ce pas, à toujours jouir de la présence de Dieu avec nous. Dieu était avec cet homme. Dieu était avec ce roi, bien-aimé dans le Seigneur. Il était avec Dieu quand il a commencé. Et sachant qu'il était, il va s'engager dans le Seigneur. Il s'engage à combattre tous ses ennemis. Il s'engage dans le Seigneur à pouvoir récupérer les frontières, élargir bien sûr les frontières de tous côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'engager à élargir, n'est-ce pas, les frontières de ta bénédiction de tous côtés, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel. Bien-aimé dans le Seigneur, à tout point de vue, sur le plan intellectuel. Tu dois t'engager, bien dans le Seigneur, à aller en guerre, n'est-ce pas, bien-aimé, pour élargir, bien dans le Seigneur, les limites autour de toi. Élargir les limites. Élargir les limites. Après que Saoul y prit possession, mais dans le Seigneur, comme il est écrit, n'est-ce pas? Il fit de tous côtés la guerre, de tous côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, que chaque domaine de ta vie, dans le Seigneur, puisse être récupéré. Tu dois récupérer chaque domaine de ta vie. Sur le plan matrimonial, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan de la santé, bien-aimé dans le Seigneur, sur le plan relationnel, sur le plan sociétal, bien-aimé. À tout point de vue, dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé, tu dois t'engager, n'est-ce pas, bien-aimé, à récupérer, n'est-ce pas, à élargir le champ de tous les domaines de ta vie. Tu dois t'engager, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne faut pas dire non, bon, c'est vrai, dans ma vie, en tout cas, tout va bien. Mais la santé, c'est un peu compliqué. Moi, tout va bien, mais sauf que la santé me pose toujours problème. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, 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 non. Tu dois t'engager à arracher ta santé. Tu dois t'engager à élargir les fronts, les limites de ta santé. Je dis bien, tu dois t'engager. Donc, bien aimé, tu dois t'engager dans les combats. Voilà pourquoi la Bible dit que l'apôtre Paul nous a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rides. Revêtez-vous. C'est un ordre, c'est un impératif. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rides du diable. Il dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes engagés dans une guerre. Nous sommes engagés dans un combat avec l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi ne nous laissera pas tranquille. Mais engageons-nous, bien-aimé, à récupérer, n'est-ce pas, bien-aimé, tous les domaines de la vie, n'est-ce pas, là où l'ennemi des bien-aimés dans le Seigneur est en train de. Là où l'ennemi a pris position. Tu dois récupérer tous les domaines de ta vie. Ne laisse l'ennemi rien, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime beaucoup Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aime beaucoup Moïse. Parce que Moïse, lorsqu'on lui demande d'aller vers Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon lui dit, bon, écoutez, Moïse, vous pouvez partir les hommes, et puis les restes, c'est pas grave. Vous laissez les hommes, vous laissez les femmes et les enfants, mais les hommes partent. Allez servir votre Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. J'aime la réponse de Moïse. J'aime la réponse de Moïse. Une réponse Non. C'était un homme qui était conscient de ce qu'il voulait. Il était pleinement conscient, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dans Exode 10. Exode 10, n'est-ce pas? Écoutez bien Exode 10. Allons voir le verset. Cherchons un peu Exode 10. On va prendre le verset 26. Voilà, on prendra Exode 10, le verset 26. Regardez bien dans le Seigneur. C'est que la Bible nous parle à propos de Moïse quand il est devant Pharaon. Il dit à Pharaon ceci, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons arrivé, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Il dit, nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse aucun domaine de ta vie, bien-aimé, entre les mains de l'ennemi.
ne laisse aucun domaine de ta vie sous le contrôle de l'ennemi. Tu dois récupérer tous les domaines de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants, tu dois les arracher. Tes finances, tu dois les arracher. Ton mariage, tu dois les arracher. Tu dois tout arracher. Engage-toi à arracher. Bien-aimé, tu dois t'engager. Ce n'est pas une affaire où Dieu va faire grâce. Non, engage-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Moïse a dit, nous prendrons tout. Tu nous proposes de prendre seulement le bétail et les hommes à l'aise. Non. Nous prendrons tout. Les hommes, les enfants, les femmes, le bétail, tout. Même pas, on ne laissera même pas un ongle. L'ongle. Vous voyez, n'est-ce pas bien, mais l'ongle. Même pas un ongle. On ne laissera rien. Bienvenue le Seigneur. Ne laisse aucun domaine de ta vie entre les mains de l'ennemi. Tu dois t'engager à tout arracher, bien-aimé. Je vous dis, nous sommes dans une guerre. Je vous ai dit, n'est-ce pas, bien-aimé, la guerre que nous avons commencée, c'est contre l'ennemi. Nous sommes dans une guerre, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous sommes dans une guerre. L'ennemi doit lâcher prise, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. L'ennemi doit lâcher prise. Après que Saoul ait pris possession de la royauté. Bien-aimé, tu es déjà roi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes un sacerdoce royal. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes un sacerdoce royal. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte, bien-aimé dans le Seigneur. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas du n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Prends conscience. Bien-aimé, prends conscience que tu es le roi. Que tu es un véritable roi, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Pierre 2, le verset 9. On dit bien, après que Saül ait pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. À Moab, aux enfants d'Ammon, à Edom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout il s'est tourné, il était vainqueur. Alléluia. Il était vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, je vais vous montrer maintenant dans le Nouveau Testament ce qui nous attend, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Partout là où il s'est tourné, après qu'il ait pris la royauté, c'est bien dit. Après qu'il ait pris la royauté, retenez bien, après qu'il ait pris la royauté, alléluia, après qu'il ait pris la royauté, regardez 1 Pierre 2, bienvenue dans le Seigneur, le verset 9, 1 Pierre 2, le verset 9, regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ouais, n'est-ce pas? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui vous a appelé des ténèbres, bien-aimé. Dieu t'a déjà choisi, comme Saül a été choisi, bien-aimé. Dieu a dit, voilà, prenez-le. Je vous donne un roi. Vous cherchez un roi, je vous donne. Bien-aimé, toi, tu as été choisi par Dieu, bien-aimé, dans notre Seigneur. C'est pas, Jésus-Christ a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Et quand le Seigneur vous établit, il vous établit pourquoi? Il vous établit en même temps, il dit que tu es plus que vainqueur. Il dit, l'apôtre Paul a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Et il nous a donné la victoire. Pourquoi, bien-aimé? Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs sur les œuvres des ténèbres. Dieu t'a oint, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses étendre les limites.
dans tous les domaines de ta vie. Tu dois t'engager. N'attends pas, ouais, j'attends que Dieu me fasse grâce. Lui-même, il va ouvrir les portes pour le mariage. Dieu va me faire grâce. Il va ouvrir les portes pour que mon enfant revienne à la maison. Non. La grâce t'a déjà été faite. Engage-toi. Tu as déjà été choisi. On t'a déjà bénévole. Ouais. Tu as la force, n'est-ce pas, bénévole. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Engage-toi maintenant à récupérer. Maintenant, c'est ta responsabilité. Et Dieu te donnera la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia! Qu'est-ce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, le verset 11, n'est-ce pas? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vécu là. Et l'apôtre, c'est qui? C'est le diable. C'est nous, bien-aimés dans le Seigneur. La nation sainte, le sacerdoce royal. C'est nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une autre personne. C'est nous. C'est vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous que Dieu a choisi, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que nous puissions jouir, n'est-ce pas, de tous ces bienfaits. L'ennemi rôde, n'est-ce pas, bien-aimés. Comme il le rugissant, il cherche qui le dévorera. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne laisserons rien à l'ennemi. Il s'est engagé à combattre et il est sorti vainqueur. Saoul est sorti vainqueur, bien-aimés dans le Seigneur. Partout il s'est tourné, il était vainqueur. Quand il a pris possession de la royauté, tu es déjà choisi. Une nation sainte, un sacerdoce royal. Il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. Lève-toi dans tous les domaines de ta vie. Et dans le Seigneur, que l'ennemi lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Soyez bénis, bien dans le Seigneur. Nous allons lever nos voix, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Élève-toi, dis Seigneur, merci pour ta victoire dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix, élève-toi, commence à venir le Seigneur. Dieu te bénit, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta victoire dans ma vie, Seigneur, merci, bien-aimé. Élève-la, commence à venir le Seigneur pour ta, alléluia, sa victoire dans sa, bien-aimé, bénis-le, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix, bénis-le. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Ô Maître du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Seigneur, merci pour ta victoire dans ma vie. Merci pour ta victoire dans ma famille. Merci pour ta victoire dans mon ministère. Merci pour ta victoire dans tous les détails, dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, laisse-moi célébrer ta victoire. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous célébrons ta victoire. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons ta victoire. Grand roi de l'univers, nous célébrons ta victoire. Maître du ciel et de la terre, nous célébrons ta victoire. Toi qui vis et qui règne à jamais, nous célébrons ta victoire. Toi qui es assis sur le trône éternel, nous célébrons ta victoire. Toi qui règnes d'agena d'éternité en éternité, nous célébrons ta victoire. Toi le grand roi, ô notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ton amour et pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Tendre Père, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent à toi, le roi éternel. Ô notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta victoire. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, au puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas prier ce soir. Bien, nous allons dire, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous nous levons contre nos oppresseurs.
Bien-aimé, tu vas prier pour lui, c'est que tous les oppresseurs de ma vie, les oppresseurs sur le plan financier, les oppresseurs sur le plan matériel, les oppresseurs sur le plan spirituel, les oppresseurs sur le plan, bien-aimé, tous les oppresseurs de ta vie, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, ce soir, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur? Que tes oppresseurs, oh bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, qui s'opposent, alléluia, à la volonté de Dieu dans ta vie, qui s'opposent, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que tu puisses entrer. Que les promesses, n'est-ce pas, financières s'accomplissent dans ta vie, qui s'opposent à ce que bénis dans le Seigneur, tu puisses être en bonne santé. Nous allons prier, bénis dans le Seigneur, que nos oppresseurs soient neutralisés, que nos oppresseurs, bénis dans le Seigneur, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, que nos oppresseurs soient mis hors d'état de nuire, soient néantis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimé, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi et nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Maître du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ton amour infini au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu es le roi éternel, parce que tu es celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur notre Dieu pour ta victoire, pour ton œuvre à la croix, pour ta fidélité, pour ta bonté. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Oh notre Seigneur, notre Dieu, que tu t'élèves, que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom dans nos vies, manifeste ta gloire, notre Seigneur, notre Dieu, que nos oppresseurs, Seigneur, notre Dieu, alléluia, soient néantis, que nos oppresseurs soient mis hors d'état de nuire, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous nous levons contre nos oppresseurs, les oppresseurs de la vie de mon frère, les oppresseurs de la vie de ma soeur. Tendre Père, nous nous levons, Seigneur, notre Dieu, contre tous nos oppresseurs, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés. Éternel notre Dieu, nos oppresseurs spirituels, nos oppresseurs physiques, tendre Père, lève-toi, éternel notre Dieu, que nos oppresseurs, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés, au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci, merci grand roi de l'univers, nous proclamons ta victoire, éternel Dieu Tout-Puissant, nous proclamons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus, lève-toi Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos familles respectives, lève-toi Seigneur notre Dieu, que nos oppresseurs soient anéantis, que nos oppresseurs soient neutralisés, que nos oppresseurs soient paralysés, que nos oppresseurs soient brisés au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, confonds nos oppresseurs, qu'ils soient dans la confusion totale au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Glorifie, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons prier encore. Nous allons continuer à prier, bien dans le Seigneur. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons lever, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, contre tout, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, les ennemis, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, les réseaux de nos ennemis. Ils ont fait un réseau, bien dans le Seigneur. C'est un réseau, regardez, bien dans le Seigneur, c'est un réseau. Il fit la guerre à tous ses ennemis, n'est-ce pas, Moab, aux enfants d'Amon, à Edom, au roi de Tchoma, bien dans le Seigneur. Nous allons lever contre les réseaux, que Dieu disperse les réseaux de nos ennemis. Ils ont fait un réseau, bien-aimé. Qu'ils soient dispersés, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'ils soient dispersés, qu'ils ne se réunissent plus jamais au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que nos ennemis soient dispersés. Là où ils se réunissent, n'est-ce pas, bien-aimé, qu'ils soient dispersés. S'ils se réunissent, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le ciel, ils se réunissent sous la terre, ils se réunissent dans les arbres, dans le cimetière, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le monde pandémonium, n'est-ce pas? Là où ils se réunissent, qu'ils soient dispersés pour ne plus jamais, n'est-ce pas, bien-aimés? Alléluia. Pour ne plus jamais se réunir. Que nos ennemis soient dispersés de toutes parts. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons invoquer, n'est-ce pas, bien-aimés, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, disperse nos ennemis. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, prie, n'est-ce pas, pour disperser, n'est-ce pas, alléluia, les réseaux de tes ennemis. Qu'ils soient dispersés, mais là,
dis-le, l'assemblée de tes ennemis, mais qu'ils soient dispersés. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le feu de vos rangs, et que nos ennemis soient dispersés de toutes parts. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, que nos ennemis soient dispersés, que nos ennemis soient dispersés. Au nom puissant de Jésus, le puissant de Jacob, le grand roi de l'univers, éternel, notre Dieu, lève-toi, tendre Père, lève-toi, Seigneur, notre Dieu, dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, lève-toi. Que nos ennemis soient dispersés. Qu'ils soient dispersés par le feu du Saint-Esprit. Disperse nos ennemis. Qu'ils se rassemblent. Que tous ceux qui se réunissent dans les cimetières, ceux qui se réunissent dans nos pères, dans les seaux, qui se réunissent dans l'air, éternel notre Dieu, qu'ils soient dispersés. Que nos ennemis spirituels, que nos ennemis physiques, qu'ils soient dispersés. Tendre Père, qu'ils soient invisibles, qu'ils soient visibles, qu'ils soient dispersés au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci, par le feu du Saint-Esprit, que nos ennemis soient dispersés. Les ennemis de mon frère, les ennemis de ma soeur, les ennemis de l'église, les ennemis, tendre Père, de ton église, les ennemis du corps de Christ, les ennemis de tes enfants, les ennemis des chrétiens, les ennemis de notre foi. Tendre Père, qu'ils soient dispersés, ou qu'ils se trouvent, ou qu'ils se réunissent, tendre Père, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, qu'ils soient dispersés au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi des nuées. Disperse-le. Disperse-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Seigneur notre, disperse nos ennemis. Disperse nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, de disperser nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Grand roi de l'univers, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons un Dieu de victoire, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons continuer à prier. Cette fois-ci, bienvenue dans le Seigneur, tu vas élever la voix. Nous allons élever nos voix, bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas dire Seigneur. Maintenant là, que tous ceux bien dans le Seigneur, alléluia, qui font, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, d'abord nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien aimer, nous allons d'abord prier, bien aimer. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Bien aimer, nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimer, que toutes les armes, bien dans le Seigneur, de nos ennemis soient sans effet. Toutes les armes de nos ennemis soient sans effet, quelles qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient. Toutes les armes de nos ennemis, toutes leurs armes, nous les déclarer sans effet, nul et non avenu. Quelle que soit leur nature, que les armes de nos ennemis soient neutralisées. Nous allons les déclarer sans effet, nul et non avenu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien, proclamons, invoquons, n'est-ce pas, bien, dans le Seigneur, le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour détruire toutes les armes, n'est-ce pas, bien, dans le Seigneur. Toutes les armes, alléluia, de nos ennemis. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Alléluia. Toutes les armes. Et toute langue s'élèvera en justice contre toi. Tu la condamneras. D'abord, nous allons nous élever contre toutes les armes de nos ennemis. Alors, nous allons proclamer trois fois, n'est-ce pas, le feu du Saint-Esprit. Tu vas dire sur notre Dieu, je me dresse contre toutes les armes de nos ennemis, les armes de la sorcellerie, les armes, n'est-ce pas, des magiciens, des occultistes. Toutes les armes de nos ennemis soient neutralisées, soient anéanties au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un des trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de vos rangs. Le feu du Saint-Esprit. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton feu. Le feu de vos rangs. Pour consumer toutes les armes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que l'ennemi a planifié, que tout ce que l'ennemi, c'est notre Dieu, a mis comme arme, soit neutralisé, soit brisé. Au nom puissant de Jésus, je brise toutes les armes de l'ennemi. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Je me dresse contre toutes les armes de l'ennemi. Je brise, Seigneur notre Dieu, toutes les armes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus,
Que toutes les armes de l'ennemi soient brisées, soient neutralisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me dresse contre toutes les armes de l'ennemi. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre. Que toutes les armes de l'ennemi soient neutralisées, soient anéanties. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci. Je brise toutes les armes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, parce qu'il est écrit dans ta parole, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Au nom puissant de Jésus, alléluia, je déclare sans effet toutes les armes de mes ennemis. Toutes les armes, je les déclare sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toutes les armes de mes ennemis. Tendre Père, que toutes les armes de mes ennemis soient neutralisées. Je les déclare sans effet, nul non avenu. Au nom puissant de Jésus-Christ et de notre Dieu, que les armes de mes ennemis soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient neutralisées, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient invisibles, qu'elles soient visibles, que les armes de mes ennemis soient neutralisées, soient brisées. Au nom puissant de Jésus, je brise toutes les armes de mes ennemis. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. C'est notre Dieu, merci pour ta victoire. Éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom dans nos vies. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons lever l'espoir toujours. Il dit, tu la condamneras. Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé, nous allons, n'est-ce pas, nous allons lever, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons briser, n'est-ce pas, la puissance des incantations. Bienvenue dans le Seigneur. L'ennemi, n'est-ce pas, bien-aimé, il utilise tout moyen, n'est-ce pas, toutes les armes. Rappelez-vous, bienvenue dans le Seigneur. Lorsque Balak voulait détruire Israël, il a invoqué Balaam, le devin, n'est-ce pas, pour venir maudire Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, mais nous allons d'abord briser la puissance des incantations. Alléluia. Contre nos vies et contre nos familles. Le mauvais sort, les sortilèges. Je dis bien, nous allons briser la puissance des incantations, la puissance des mauvais sorts, la puissance des sortilèges. Nous allons briser, neutraliser nos puissants de Jésus. Et proclamons la victoire. Et proclamer la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur notre Dieu pour ta victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons proclamer trois fois, n'est-ce pas? Nous allons proclamer, bien-aimé dans le Seigneur, trois fois, n'est-ce pas? Alléluia. Trois fois, Jésus est vainqueur. Alléluia. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, commence, bien-aimé, à briser la puissance des incantations, la puissance des sortilèges, des mauvais sorts. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Je me dresse contre la puissance des incantations. Je brise, Seigneur notre Dieu, les incantations faites contre ma vie, faites contre ma famille, faites contre mon épouse, faites contre mon frère, contre ma soeur, je brise la puissance des incantations, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, tant de Père, merci, je viens briser la puissance des incantations, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur, maître du ciel et de la terre, merci de glorifier ton nom, de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus, je brise la puissance des incantations, je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, merci éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, lève-toi maître du ciel et de la terre, je brise la puissance des incantations. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser la puissance des incantations. Je brise les sortilèges, les mauvais sorts contre mon frère, contre ma soeur, contre nos vies tendres, Père. Je brise les mauvais sorts. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, merci. Je viens briser les mauvais sorts. Je brise les mauvais sorts. Je proclame ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, c'est pas fini, bien-aimé. L'ennemi, n'est-ce pas, bien-aimé? L'ennemi, parfois, passe le temps à maudire. Alléluia. Mais nous allons briser les malédictions, n'est-ce pas? Alléluia. Prononcer, n'est-ce pas, contre nos vies. Mais tu vas t'élever contre les malédictions. Mais tu vas briser les malédictions, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas briser les malédictions, mesdames et messieurs, qu'elles soient générationnelles, bien-aimés, qu'elles soient ancestrales, qu'elles soient, n'est-ce pas, tribales, qu'elles soient, mesdames et messieurs, je ne sais pas, familiales, mais tu vas briser les malédictions sur ta vie, contre ta vie et contre ta vie, dans ta vie, bien-aimés, mesdames et messieurs. Contre ta vie, dans ta vie, sur ta vie, bien-aimé, tu vas briser toute forme de malédiction, n'est-ce pas, qui agit en ta défaveur. Au nom puissant de Jésus.
Proclamons trois fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire dans le violon puissant de Jésus. Nous nous lèverons, c'est notre Dieu, contre les incantations. Je viens briser les incantations de ceux contre ma vie. Je brise les incantations, alléluia, sur ma vie, contre ma vie, alléluia, contre ma famille. Je viens briser toutes les incantations prononcées sur ma vie et sur ma famille. Au nom puissant de Jésus, je brise le poids des incantations. Je les déclare sans effet. Sans effet, nous les non avons. Je brise les malédictions prononcées contre ma vie. Je brise la puissance des malédictions, tendre Père. Je brise la puissance des malédictions. Je déclare sans effet toutes les malédictions prononcées contre ma vie par la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham y pour les pains son accomplissement en Jésus Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, je parle le sang de Jésus, je viens briser toutes les malédictions qui pèsent sur ma vie, toutes les malédictions qui pèsent sur notre Dieu, sur ma destinée, sur la vie de mon épouse, tendre Père, les malédictions de pauvreté, je les brise, les malédictions de misère, malédictions de malheur, malédictions de souffrance, ma tendre Père, malédictions sous toutes les formes, je brise toutes les malédictions, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, maître du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, que toutes les malédictions qui ont été prononcées contre la vie de mon frère soient brisées, soient neutralisées, au nom puissant de Jésus, je les brise, je les déclare sans effet, nous les donnons à venir au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre, que tu t'élèves dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix vers toi et nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, que toutes les malédictions soient brisées, alléluia, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Je brise les malédictions, tendre Père, contre nos vies, contre nos familles. Je les déclare sans effet. Nous le donnons à venir nos puissants de Jésus. Que toutes les malédictions soient brisées. Dieu Tout-Puissant, merci. Je brise toutes les malédictions contre ma famille, contre ma vie. Je les déclare sans effet. Je proclame ton règne et ton autorité. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour et pour ta fidélité, nos puissants de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Toi, le grand roi, Seigneur, que tu t'élèves. Alléluia. Bénis dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prier, bénis dans le Seigneur, ce soir. Tu vas dire, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que mes ennemis soient. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu. Que mes ennemis soient neutralisés. Que mes ennemis soient brisés. Alléluia. Seigneur, lève-toi, Seigneur. Bénis dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que ce Seigneur, lève-toi. Alléluia. Que mes ennemis soient neutralisés. Je proclame la victoire sur tous mes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu s'élève. Tu vas proclamer la victoire, n'est-ce pas, du nom de Dieu sur tous tes ennemis. Je dis bien, la victoire du nom de Dieu sur tous tes ennemis. Alléluia. Nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus, bien-aimé, proclame la victoire, n'est-ce pas, du nom de Dieu sur tous tes ennemis. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Proclame la victoire du nom de Dieu sur tous tes ennemis, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Je proclame ta victoire sur tous nos ennemis, sur tous mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, que mes ennemis soient neutralisés, que mes ennemis soient brisés, que mes ennemis soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, je proclame ta victoire sur tous mes ennemis. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Je proclame ta victoire sur tous mes ennemis. Bon éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves, que tu te manifestes, au nom puissant de Jésus. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Digne-tu, grand roi de l'univers, digne-tu, puissant de Jacob. Nous célébrons ta victoire, nous célébrons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tu es digne d'être loué, d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, magnifié, maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers, merci, puissant de Jacob. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, éternel notre Seigneur, notre Dieu, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton règne, pour ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel notre Dieu,
Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Oh, notre Seigneur, notre Dieu, merci. Nous proclamons ta victoire. La victoire sur tous nos ennemis. Que nos ennemis soient neutralisés. Que nos ennemis soient paralysés. Je proclame la victoire du nom de Jésus sur tous nos ennemis. D'entre Père, de tous côtés. Que nos ennemis soient neutralisés. Que nos ennemis soient paralysés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, tendre Père, merci pour ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur. L'ennemi le plus cruel, bien-aimé, ce sont les sorciers. Bien-aimé, nous allons invoquer nos voix. Nous allons élever nos voix, n'est-ce pas? Nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, paralyse, n'est-ce pas, tous les sorciers de nos vies, de nos familles. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous allons proclamer la victoire du sang, n'est-ce pas, du feu du Saint-Esprit sur tous les sorciers de nos vies. Tous les sorciers de nos familles, mais qu'ils soient, n'est-ce pas, bien-aimés, neutralisés, paralysés par le feu du Saint-Esprit. Et nous allons briser la puissance de la sorcellerie qui se dresse contre nos vies et contre nos familles. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La sorcellerie, bien-aimés, c'est une puissance destructrice. Je vous assure. Elle agit d'une manière comme vous n'avez pas l'idée. Elle agit, bien-aimés, dans la vie des gens, n'est-ce pas, bien-aimés. La sorcellerie, c'est une puissance destructrice, terrible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever contre la puissance de la sorcellerie. Et nous allons prier mais que tous les sorciers de nos vies, de nos familles, mais soient neutralisés, soient paralysés au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un des trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous invoquons le feu de voir. Que le feu du Saint-Esprit, alléluia, se lève contre la puissance de la sorcellerie. Je viens briser les œuvres de la sorcellerie contre ma vie et contre ma famille. Au nom puissant de Jésus, je brise les œuvres de la sorcellerie. Je brise les œuvres de la sorcellerie. Tendre Père, merci pour ta victoire. Merci pour ton autorité. Au nom de Jésus, je brise les œuvres de la sorcellerie. Éternel notre Dieu, je proclame ta victoire, que les sorciers de ma vie soient neutralisés, soient brisés, que ton feu le neutralise, que ton feu le paralyse, les sorciers de ma vie, les sorciers de ma destinée, tendre Père, qu'ils soient neutralisés, paralysés au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, lève-toi contre les sorciers de ma vie, lève-toi contre les sorciers de ma famille, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés au nom puissant de Jésus. Je proclame ton règne et ton autorité, je proclame ta victoire au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Tu es digne, éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, que tu te lèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, que tu te lèves, éternel Dieu tout-puissant, que tu te lèves, maître du ciel et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci, c'est notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci. Je me dresse contre les autorités, les principaux. Je brise la puissance de la sorcellerie. Qu'elle soit neutralisée dans tous les domaines de ma vie. Je brise la sorcellerie dans tous les domaines de la vie de mon frère, de la vie de mon frère, de ma soeur. Je brise la puissance de la sorcellerie, qu'elle soit neutralisée, que le sorcier de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, soit brisé, soit neutralisé. Tendre Père, du côté de mon père, du côté de ma mère, que les sorciers soient neutralisés, soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci Seigneur pour ta victoire, ton règne et ton autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, pour briser, bien-aimé, alléluia, les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parmi nos ennemis les plus farouches. Bien-aimé, les gens vont dans les cimetières pour invoquer ces esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, les diriger vers les vies des gens, les diriger vers les affaires des gens, les diriger vers les familles des gens. Les esprits des cimetières viennent pour détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons nous lever contre les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons nous lever contre les principautés, les autorités. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons nous lever contre ces esprits. Comme la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa parole, dans Éphésiens, nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste.
Mais nous allons nous lever, bien-aimés, contre les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer, les esprits méchants, bien-aimés. Nous allons nous lever contre ces esprits, qu'ils soient neutralisés, paralysés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimés? Jésus est Seigneur. Un, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia, éternel, notre Dieu. C'est toi le maître du ciel et de la terre, le puissant vainqueur, le Seigneur de Golgotha. Nous nous lèvons contre les esprits des cimetières au nom puissant de Jésus. Que ces esprits soient neutralisés, qu'ils soient brisés. Les esprits de l'enfer, tendre Père, nous proclamons ta victoire. Que les esprits de l'enfer soient brisés. Que les esprits des cimetières soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Je proclame ton règne et ton autorité. Je proclame ta magnificence. Puissance, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre les esprits des cimetières, nous nous lèvons contre les esprits des cimetières, au nom puissant de Jésus. Les esprits de l'enfer, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Éternel Dieu, grand et redoutable, merci. Que les esprits des cimetières soient neutralisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient paralysés, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité, puissant de Jacob, maître du ciel et de la terre. Seigneur, que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Tendre Père, merci que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant, tendre Père, que les esprits des cimetières, bien-aimés, nous allons briser la puissance de la mort. Nous nous dressons contre les esprits des morts. Nous brisons la puissance de la mort. Nous nous lèvons contre les esprits des morts, qu'ils soient neutralisés, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, qu'ils retournent vers ceux qui les ont invoqués. Au nom puissant de Jésus, que les esprits des morts soient neutralisés. Alléluia, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, que les esprits des morts soient neutralisés, soient paralysés. Les esprits viennent pour détruire les vies, détruire les familles, détruire les foyers, détruire les finances, détruire selon le travail. Tendre Père, nous brisons les esprits des morts, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous nous lèvons contre les esprits des morts. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prier pour le Seigneur. Délivre-moi de tous mes ennemis. Mais tu vas dire, Seigneur, ce soir, je proclame ta victoire, n'est-ce pas, sur tous mes ennemis. Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis. Alléluia. Seigneur, délivre-moi, n'est-ce pas, alléluia, de tous mes ennemis. Alléluia. Délivre-moi de tous mes ennemis, Seigneur, notre Dieu. De toutes parts, Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. D'abord, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prier, n'est-ce pas, d'abord, avant cela. Tu vas dire, Seigneur, notre Dieu, que mes ennemis libèrent tous les domaines de ma vie. Que les ennemis, n'est-ce pas, libèrent tous les domaines de ma vie. Tous les domaines, que mes ennemis libèrent tous les domaines de ma vie, tous les domaines de ma famille, au nom puissant de Jésus. Nous allons bien, proclamons trois fois, n'est-ce pas? Proclamons trois fois, Jésus, Seigneur, que tes ennemis libèrent tous les domaines de ta vie. Ta santé, ta famille, tes enfants, tes finances, tous les domaines, que tes ennemis libèrent tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons trois fois, n'est-ce pas? Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est tendre Père. Je proclame ta victoire ce soir au milieu de nous. Tendre Père, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Que tous nos ennemis libèrent. Qu'il libère l'éternel notre Dieu. Que nos ennemis libèrent tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus. J'intime l'ordre à mes ennemis. Que mes ennemis libèrent. Qu'il libère tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus. Qu'il libère, Seigneur notre Dieu, les domaines financiers, les domaines matériels, les domaines spirituels. Qu'il libère les domaines sociaux. Qui libère sur notre lieu les domaines émotionnels, qui libère sur notre lieu les domaines de la santé, que mes ennemis libèrent tous les domaines de ma vie, au nom puissant, les domaines de la vie de mon frère soient libérés, que les ennemis libèrent, les ennemis de mon frère libèrent tous les domaines de sa vie, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta victoire, que nos ennemis libèrent, qu'ils lâchent prise, qu'ils lâchent prise, qu'ils lâchent prise, qu'ils libèrent tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Alléluia, nous arrachons, tendre Père, tout ce que l'ennemi avait pris, c'est notre Dieu. Nous arrachons tout ce qui est entre les mains de nos ennemis. Nous arrachons, tendre Père, tout le domaine de nos vies, tout ce qui est entre les mains de nos ennemis. Nous arrachons le tour au puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas prendre l'espace et on délivre tout le domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Élève nos voix, proclame trois fois, Jésus est vainqueur.
1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Le vainqueur de Golgotha. Merci, tendre Père, de délivrer tous les domaines de ma vie. Au nom puissant, délivre-moi, tendre Père. Délivre-moi de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, l'éternel Dieu, délivre. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre-nous de nos ennemis. Et tendre Père, libère tous les domaines de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci de nous délivrer. Merci pour la délivrance. Seigneur notre Dieu, lève-toi. Lève-toi, éternel. Disperse tous nos ennemis. Et délivre-nous de tous nos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix et pour ta fidélité. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Alléluia pour Maman Fifi, n'est-ce pas, qui est malade, que Dieu touche sa santé. Nous allons prier pour notre jeune Maxime, comme d'habitude, n'est-ce pas? Prions, bien-aimé, que Dieu visite Maxime là où il est en prison, que la lumière du Saint-Esprit puisse véritablement, bien-aimé, n'est-ce pas, éclairer son âme et son être tout entier. Alléluia, élevons nos voix, bien-aimés, élevons nos voix, prions pour Maxime et prions, bénis le Seigneur, pour Maman Fifi. Le deux sujets que nous prions habituellement, n'est-ce pas? Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas, bien-aimés, de l'amener. Alléluia, élevons nos voix, nous prierons, bien-aimés, tant que nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, nous prierons pour nos bien-aimés. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Élevons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Prions pour Maxime qui est en prison, prions aussi pour Maman Fifi qui est à l'hôpital. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous transportons Maxime devant ton trône de la grâce. Nous te prions, tendre Père, de toucher sa santé au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, touche la santé de Maxime au nom puissant de Jésus. Touche sa santé, tendre Père, et touche aussi, Seigneur notre Dieu, son âme au nom puissant de Jésus. Nous te supplions de toucher l'âme de Maxime. Touche son âme, Seigneur notre Dieu, que ta lumière éclaire son âme, que ta lumière éclaire son âme là où il est en prison, au nom puissant de Jésus, éclaire son âme, éclaire l'âme de Maxime, au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire, éclaire s'il te plaît, tendre Père, éclaire tendre Père, l'âme de Maxime, au nom de Jésus, je proclame la guérison dans la vie, c'est notre Dieu, dans la vie de Maman Fifi, je proclame la puissance de la guérison dans la vie de Maman Fifi, au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, tendre Père, guéris Maman Fifi, guéris sa santé, guéris-la, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de la guérison dans le corps de Maman Fifi. Tendre Père, je proclame sa libération, je proclame sa guérison, au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur, élève-la, bien-aimé, commence à détruire, n'est-ce pas, tout le plan de l'ennemi contre ta vie. Bien-aimé, commence à briser les accidents, commence à briser la mort prématurée, commence à détruire toutes les malédictions prononcées contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Allez, élève nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé, commence à prétendre, Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire, nous nous levons contre tout le plan de l'ennemi, que tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies soit brisé, soit neutralisé, au nom puissant de Jésus. Je brise tout le plan de l'ennemi, je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Je me dresse contre tout ce que l'ennemi a planifié dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je brise les œuvres de la sorcellerie. Je brise le puissant de l'occultisme, tendre Père. Je proclame ton règne et ton autorité. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Je viens me dresser, Seigneur notre Dieu, contre, alléluia, tout le plan de l'ennemi dans ma vie. Je brise la mort prématurée. Je brise la mort, alléluia, la mort brusque. Au nom puissant de Jésus, je brise, Seigneur notre Dieu, la mort brutale, la mort prématurée. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus, lève-toi, tendre Père, je brise les malédictions prononcées contre ma vie, je me dresse contre les accidents, au nom puissant, je brise les accidents, et je proclame ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Tendre Père, merci pour ton règne et pour ton autorité, au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Commence bien à dire merci au Seigneur. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Merci pour ta victoire encore. Saint-Esprit, merci. Commence à remercier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci pour ta victoire. Merci pour ce que tu viens de faire encore ce soir au milieu de nous. Saint-Esprit, merci au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous t'élèvons. Nous te célébrons. Toi, l'esprit de grâce et de faveur. Toi, l'esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour la délivrance au milieu de nous. Bienvenue dans le Seigneur, on commence à prier, n'est-ce pas, pour neutraliser, n'est-ce pas, toute contre-attaque de l'ennemi. Tendre Père, nous nous levons contre toute contre-attaque de l'ennemi après ces temps de prière. Que les contre-attaques soient brisées, soient neutralisées. Je proclame ton règne et ton autorité. Je proclame ta victoire. Je proclame ta magnificence. Maître du ciel et de la terre, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci, tendre Père, pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus.
Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour ta victoire dans nos vies respectives. Seigneur notre Dieu, je proclame ton règne et ton autorité, que ton sang recouvre mon frère. Seigneur, merci pour ta victoire dans tous les domaines de nos vies. Ta victoire sur tous nos ennemis, au puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Seigneur, je recommande toutes ces prières dans le... Alléluia, devant ton trône de la grâce. Je viens sceller toutes ces prières dans le sang de Jésus-Christ. Et je proclame tant de paix, la puissance de la vie de Dieu dans chacune des prières. Et je proclame aussi l'exaucement. Seigneur, merci d'exaucer toutes nos prières au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Seigneur, merci, merci pour ta victoire. Merci, Seigneur notre Dieu, ta victoire sur tous nos ennemis, nos puissants de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment de tout cœur. Merci, merci, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Honnêtement, bien-aimés, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. À très bientôt. Merci. Courage.